et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Arcane majeur, nous avons le pape dans votre vie sentimentale et en fin de mois, on a le pendu. Sinon, épée, épée, bâton, épée, épée, denier, bâton, coupe. Il y a beaucoup d'épées. Et une seule carte de coupe et de denier. Ok. Il s'agit de partir ici. Il y a quelque chose, il y a un mouvement important ici, semble-t-il. Bon, alors, le mois dernier, ami Bélier, vous aviez l'impératrice. L'impératrice qui nous expliquait vraisemblablement que tout avait un cycle, tout avait une durée de vie et que vous deviez vous préparer à quelque chose de nouveau, que vous étiez en mode de fécondité ou de fertilité, que vous portiez peut-être en vous un projet ou quelque chose. Ce mois-ci, vous avez la mort. Alors, personne ne va mourir, vous le savez. Ce que cette énergie signifie lorsqu'elle vient de l'extérieur, c'est que la vie vous invite à transformer quelque chose. À vous transformer d'abord ou à transformer quelque chose dans votre vie. Comment? En y mettant fin, tout simplement. Alors, je ne vois pas de fin. Par contre, au cœur de votre lecture, vous avez un départ. Alors, il y a, que ce soit réellement, c'est-à-dire physiquement ou symboliquement, quelque chose est arrivé à son terme, vous le transformez pour que vous puissiez en faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Il y a une transformation, il y a une métamorphose, soit de vous-même, c'est-à-dire vos croyances, vos objectifs, vos idéaux, soit de votre vie. D'accord? On va voir, on va essayer de comprendre. Votre énergie à vous, elle est superbe. Vous avez la reine de coupe et vous avez la 6 de bâton. Alors, la reine de coupe nous explique... La reine de coupe, c'est une énergie qui est très, elle est très maternelle, d'accord? C'est le principe féminin par excellence, c'est-à-dire je suis à l'écoute, j'ai beaucoup d'intuition, je suis à l'écoute de ce qui ne va pas, je nourris, je réconforte, je chante une chansonnette. C'est une énergie qui est très maman. Sans que ce soit interprété de manière péjorative dans un sens ou dans un autre, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Voilà, c'est ce côté allaitant, maternant, rassurant, protecteur. Pas protecteur, enfin protecteur, mais pas dans le même sens que l'homme. Pas dans le même sens que le principe masculin, d'accord? C'est pas je défends, c'est je protège de mes bras, je protège de mon amour, je nourris et j'allaite. Donc, c'est votre énergie. Et moi, je pense que c'est une attitude que vous avez, vous, envers vous-même. Vous êtes très doux avec vous-même. Vous prenez soin de vous. Vous êtes très à l'écoute du moindre petit bobo, de la moindre petite baisse de morale. Vous voyez ce que je veux dire? Très, très à l'écoute de vous-même. Avec ça, on a la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, de triomphe, du héros qui revient du champ de bataille. Alors, il est possible, il y a deux versions possibles ici. Il est possible que vous ayez mené en août, juillet, un combat dont vous revenez avec quelques échardes de ci et de là. Et de ce fait, en septembre, vous allez prendre le temps de prendre soin de vous. D'accord? Vous allez prendre le sang, mais c'est plus sur un plan affectif, c'est pas physique, hein, c'est plus sur le plan affectif. Vous avez manqué d'amour, vous avez été violenté, vous avez été heurté sur le plan émotionnel. Donc, vous pensez vos blessures. C'est possible. Maintenant, il est possible aussi que vous vous soyez battu ou que vous battez, d'accord, pour quelqu'un qui pourrait porter ce principe de la reine de coupe. C'est-à-dire une personne, homme ou femme, d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, qui soit un petit peu votre infirmière ou votre infirmier, homme ou femme, hein, infirmière ou infirmier, qui soit un petit peu ce principe protecteur pour vous dans votre vie. C'est possible aussi. On va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus en continuant. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre votre temps. Le chevalier de denier, il prend son temps, il avance comme il avance, personne ne le bouscule, il a son rythme qui lui est propre. Il n'a pas d'excuses à fournir à qui que ce soit. Il profite, il avance tout en profitant et en jouissant de ce que la vie peut lui offrir. En revanche, chaque pas qu'il fait,
c'est un pas qui est ancré, gravé, et reviendra pas dessus. Donc quand il acquiesce sur un domaine ou sur un sujet, ou quand il valide un sujet ou un thème ou une décision ou quelque chose, il ne revient pas en arrière. Par contre, il prend son temps, il savoure la vie en même temps. Ce qui va vous aider durant ce mois de septembre, c'est le départ. Il y a un départ ici. Un départ où vous laissez quelque chose qui a pu être dramatique et chaotique et qui a nécessité que vous partiez en guerre, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un conflit de couple, un conflit professionnel, ça peut être un problème de famille, ça peut être un problème avec les amis, un problème de résidence, je ne sais pas. Mais quelque chose fait qu'en août, vous étiez monté aux barricades. Ce mois de septembre, il s'agit de partir. Alors, soit vous partez réellement, c'est-à-dire vous déménagez, vous quittez la région, vous vous expatriez, soit vous partez symboliquement, c'est-à-dire en laissant derrière vous une famille, en laissant derrière vous une communauté, un club, un ami, un travail, une maison, je ne sais pas. Mais vous partez. Vous partez en espérant que là où vous allez, ce sera plus calme, plus posé et plus serein que ce que vous avez connu précédemment. Vous sortez, vous entrez dans ce mois de septembre avec les restes d'un conflit mené. Mais un conflit qui a eu son utilité, puisque ce mois-ci, la vie vous invite à laisser tout ça derrière. On a deux notions de laisser le passé dans le passé. Laissez tout ça derrière, laissez transformer ce qui peut se transformer et prenez-le avec vous précieusement, comme cette jeune femme dans une petite boîte en bois, vers votre nouvelle vie, vers votre nouvel objectif, votre futur. D'accord ? Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière, quelque chose qui a généré du conflit. Alors, le défi, justement, c'est le conflit. Alors, ce que je comprends, moi, encore une fois, chacun d'entre vous vit un mois de septembre différent, d'accord ? Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. J'ai l'impression qu'en août, voire peut-être même juillet, vous étiez dans un conflit. Encore une fois, professionnel, familial, sentimental, je ne sais pas, un conflit qui peut perdurer encore à l'entrée dans ce mois de septembre. Ça peut être des règlements de compte en famille aussi. Vous considérez que vous êtes le grand vainqueur. La communauté, c'est-à-dire votre entourage, peut vous acclamer, peut vous considérer comme le héros parce que vous avez mené un conflit, un combat. La vie vous propose de laisser tout ça derrière vous et de transformer ce qu'il reste à transformer. Le défi que vous avez, c'est de ne pas continuer dans ce conflit. Vous avez le dernier mot, d'accord ? Mais attention, parce qu'on est dans le défi. Ça veut dire pour moi que ça reste très inflammable. Ça reste très volcanique. Ça reste c'est encore très à fleur de peau. 5 d'épée, c'est le conflit, d'accord ? Le conflit que vous semblez être en train de gagner, que vous semblez être en passe de gagner, mais laissez derrière vous ce qui reste de conflit. Ne vous mêlez pas du reste, n'intervenez pas, ne rallumez pas les braises, ne réanimez pas l'animosité, laissez tout ça derrière, même si vous devez y laisser des plumes, même si vous devez sacrifier 2 ou 3 objets, une valise, un t-shirt, une chemise ou votre doudou, je ne sais pas, partez. C'est dans le défi, d'accord ? C'est comme ça que je le perçois. Et la vie vous y invite aussi. Transformez ce qu'il reste à transformer. C'est là où vous serez gagnant. Ce que vous voulez le plus, c'est le pape. C'est-à-dire, dans la vie sentimentale, ici, il n'est pas question de foi ou de légitimité ou de confiance. Pour moi, ici, il est question de longévité, de pérennité. Le pape, symboliquement, c'est quand même celui devant lequel on se marie, quelque part. Il représente l'Église, la religion, on se marie spirituellement, on se marie, voilà. Donc, la symbolique de tout ça, c'est quoi ? C'est l'engagement, je m'engage, mais pour le long terme. Alors, ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous que oui, il y a peut-être un mariage de prévu, oui. Peu importe la religion,
Mais ça peut surtout vouloir dire, à mon avis, que quelle que soit votre situation, vous vous y investissez pour le long terme. Vous n'êtes pas là dans une vie sentimentale ou avec vos émotions là par hasard. Vous n'êtes pas là pour 2 heures et puis après je m'en vais. Vous êtes là pour le long terme. Vous avez l'intention de... Vous n'avez pas besoin de faire une promesse, vous n'avez pas besoin de signer un contrat. Votre engagement prouve par lui-même que vous êtes là pour le long terme. D'accord? Après, il peut peut-être aussi ici être question du poids des traditions, oui, dans la vie sentimentale, ça peut peser, hein, ça peut être peut-être la raison pour laquelle tout ça se passe, oui, le poids des traditions. Et puis, en quoi avez-vous foi, en quoi avez-vous confiance quand même un petit peu malgré tout? Votre spiritualité peut être aussi interrogée ici dans votre vie sentimentale, c'est faisable aussi. D'accord? Au niveau professionnel, on a 7 de bâton. Vous êtes en train de vous battre pour un idéal, pour un principe, pour un travail, une idéologie du travail à laquelle vous vous identifiez complètement. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire seul. Hein, c'est une carte seule qui nous explique que vous êtes vent debout pour défendre vos principes. Alors, quelque part, ça peut aussi vouloir signifier que vous êtes attaqué sur vos principes au travail. C'est peut-être ça l'histoire du conflit. C'est possible, d'accord? Ça peut aussi vouloir dire que vous voulez imposer votre idéologie, votre philosophie au travail. Si vous êtes indépendant, pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si vous travaillez en groupe, ça peut être compliqué quand même, parce que pourquoi vous et pourquoi pas votre voisin? Voilà. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes fidèle à ce à quoi vous vous identifiez. D'accord? Vous êtes fidèle à ce à quoi vous vous identifiez. On peut chercher et on va chercher à vous faire changer d'avis. Non. Vous vous identifiez à ça, vous restez à ça. Si vous êtes créatif, c'est parfait. Vous restez dans votre ligne de conduite, il n'y a pas de problème. La seule difficulté que je peux voir avec cette carte, c'est si vous devez travailler en groupe. Ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est normal. Maintenant, je ne serais pas étonnée que cette notion de conflit qu'on a vue en début de lecture puisse venir de votre vie professionnelle. D'accord? C'est peut-être la raison pour laquelle vous partez. C'est possible. C'est tout à fait possible. À l'intérieur de vous, votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est extrêmement rapide. De ce fait, il symbolise quelque part Internet. Bon, ici, en l'occurrence, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais avec son épée, il nous parle de communication et il nous parle aussi surtout de pensée, nos pensées. Alors, pour moi, ce que ça signifie ici dans la vie intérieure, c'est que il va y avoir beaucoup de dialogue intérieur, beaucoup de discussions intérieures entre vous et les autres parties de vous. Vous, votre âme, vous, votre conscience, vous, le sage intérieur, vous, vos principes masculins, vos principes féminins, vous et votre saboteur intérieur. Beaucoup de communication, beaucoup de pensées à l'intérieur de vous, mais fulgurantes. Hein, c'est bam, 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 bam. Vous avez un esprit qui est en ébullition. Mais ça se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous communiquez à l'extérieur. C'est de vous à vous. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a peut-être beaucoup de réflexions. Vous pensez à 4 choses en même temps. Vous analysez 4 choses en même temps. Mais de l'échange entre toutes les parties de vous-même. Le cœur, la tête, le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est imposant. Et en fin de mois, on a le pendu et on a le roi d'épée. Alors, moi, je crois. On va commencer par le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le chevalier qui a gagné un galon sur les épaules. D'accord? Il est passé de chevalier à roi, en passant par la reine, hein, sans jeu de mots. Voilà, donc roi d'épée. Roi d'épée, c'est quoi? Le roi d'épée, c'est une énergie. D'abord, ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance, homme ou femme. Je ne crois pas. Mais je le dis quand même parce qu'on va me dire oui, voilà. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est la symbolique du roi d'épée. C'est-à-dire, c'est quoi le roi d'épée? C'est celui qui va analyser une situation. Hein? On l'a vu, les pensées fusent de part et d'autre. C'est celui qui va analyser une situation. Il va la labelliser, il va mettre une étiquette,
Il va décortiquer, il va mâcher, il va digérer, il va essayer de comprendre, il va calculer. C'est le mentaliste, c'est très intellectuel. J'intellectualise tout ce qui passe dans ma tête. Et ça tombe bien, il se passe pas mal de choses dans votre tête. Et en plus, ça fuse de tous les côtés. Donc vous allez essayer ici de décortiquer, d'analyser tout ce qui se passe dans votre tête. Et ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener au pendu, c'est-à-dire que ça va vous amener à changer de point de vue sur quelque chose. Vous allez changer votre regard sur un sujet ou sur un autre. Alors, ça peut être sur le sujet du travail, ça peut être sur le sujet ici de l'engagement, ça peut être sur le sujet du départ, ça peut être sur le sujet du conflit, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se transforme chez vous par le biais de la pensée. Hein? Je vous rappelle que la vie vous invite ce mois-ci à métamorphoser quelque chose. Ça peut être tout simplement une opinion. Alors, les autres signes, ce mois de septembre, ont beaucoup de perturbations émotionnelles. Vous, il semble que ce soit au niveau du mental. C'est au niveau du mental que se joue votre mois de septembre, où vous allez changer de regard sur quelque chose, ou changer de point de vue, changer d'opinion, changer d'avis. Il y a quelque chose, peut-être une croyance qui n'est plus utile et que vous changez pour votre plus grand bénéfice, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais il y a un changement et ça passe par votre capacité intellectuelle, ça passe par vos pensées, ça passe par la communication avec vous-même ce mois-ci. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement qui se trouve sur le site Internet dans la boutique alice-nicolas.com et dans la rubrique abonnement du même site internet, vous avez toutes les informations concernant les abonnements aux extensions qui sont quand même économiquement plus intéressants pour ceux qui vont régulièrement acheter des extensions avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 12 mois. Voilà. Donc allez sur le site internet et vous aurez toutes ces infos. On a le valet de denier avec la mort. Alors, ici en haut, dans votre énergie, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Superbe. Vous voyez que ça passe par la réflexion, la pensée. La pensée, la réflexion. C'est étonnant. Alors, le chevalier de denier, dans ce que vous désirez le plus, le monde. Dans ce qui va vous aider, la 6 d'épée, on a le roi d'épée. Voilà, le même que celui qu'on a ici en fin de mois. Le défi avec la 5 d'épée, on a le fou. C'est exactement ce que je vous disais. Ne vous battez plus. Laissez le conflit transformer ce qu'il y a à transformer et libérez-vous. Quelque chose de nouveau vous attend. Vous n'avez plus de temps à perdre dans des conflits larvés. Le pape dans la vie sentimentale, le magicien, pardon du peu. La 7 de bâton dans la vie professionnelle, on a le valet de coupe, magnifique. Le chevalier d'épée dans la vie intérieure, on a la 6 d'épée, la même qu'on a ici au cœur de votre lecture. Vous avez un départ à la clé, qu'il soit réel ou symbolique. Vous laissez quelque chose derrière vous. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Waouh! Superbe! Superbe! Alors, merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour personnifier cette lecture. Ça vous donnera d'autres pistes de réflexion. Merci de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe du Bélier puissent se reconnaître ou pas dans ce que vous témoignez. Et puis, on se retrouve, nous, courant septembre, pour une lecture de vie sentimentale avec son extension. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à bientôt.